Alain Hérali, bonjour. Vous êtes bonjour. sociologue, vous enseignez à l'Université libre de Bruxelles. Et vous avez euh, récemment publié deux magnifiques volumes aux éditions RS à Toulouse, euh, qui, qui se lisent dans la suite l'un de l'autre. Le premier, euh, Autorité et légitimité, le sens du collectif. Et puis, tout dernièrement, l'année dernière, Une démocratie sans autorité, et avec un point d'interrogation comme l'indique la, la couverture euh, qui évoque euh, un gilet jaune, on était à cette époque plutôt à s'interroger sur la remise en cause de l'autorité. Ce qui lit en fait vos, euh, vos deux ouvrages, c'est une réflexion sur, euh, sur le pouvoir et sur l'évolution de, de nos sociétés. Mais la, la crise sanitaire... Euh, repose un peu différemment cette question de, de l'autorité. Vous avez euh, un, un chapitre euh, notamment sur l'autorité des experts, l'autorité épistémique, l'autorité du, du, du savoir. Alors est-ce que euh, dans cette crise euh, sanitaire, on n'est pas plutôt dans, dans une conjoncture de demande d'autorité, d'un de, de, peu plus d'autorité, plutôt que de contestation de cette autorité alors, en quoi la crise de la pandémie recrée-t-elle de façon en fait tout à fait inédite un besoin d'autorité dans nos sociétés Pour répondre à cette question, il faut commencer par rappeler ce qu'est l'autorité. Euh, à la différence de la domination ou de la coercition avec lesquelles on, on, on la confond souvent, l'autorité est au fond toute puissance de parole au nom du collectif. Que ce soit un État-nation, une ville, un hôpital, une communauté scientifique, une entreprise, une école, une troupe de scouts, il faut nécessairement des personnes qui parlent en son nom, qui se portent garantes des valeurs et des règles et qui assument le sort du groupe et, le cas échéant, exercent un pouvoir de sanction. Il n'est pas de collectivité sans des figures d'autorité pour les incarner. Dans la vie sociale, l'autorité exerce différentes fonctions. Par exemple, l'institution des lois. Il faut bien de l'autorité pour instituer les lois. La transmission des savoirs, celle des enseignants, des professeurs. La justice, celle des juges. La coordination, celle des managers. Mais il est une fonction qui, mieux que tout autre, définit l'autorité. C'est le fait qu'elle assume toujours, peu ou prou, une fonction de réduction de l'incertitude collective. Incertitude factuelle, que se passe-t-il Incertitude pratique, que devons-nous faire Incertitude morale, quelles sont nos valeurs Qu'est-ce qui est le bien Qu'est-ce qui est le mal Et la pandémie illustre par excellence ce raisonnement. Elle nous plonge dans une incertitude proprement inouïe. Nous tenions la stabilité de nos modes de vie pour une évidence naturelle. Nous nous fondions sur cette stabilité, celle de la libre circulation, des transports, du commerce, de la convivialité, pour former les moindres de nos intentions et de nos projets. Et la crise vient nous rappeler que rien n'est acquis. Eh bien, l'autorité a typiquement parti liée avec ce sentiment de la précarité de notre vie ensemble. Plus que jamais, nous attendons, parfois en vain, des autorités, qu'elles nous aident à réduire cette incertitude dans laquelle nous sommes plongés. Et par-delà, la disparate des interprétations, que devons-nous penser Dans l'infinité des situations de notre vie, que devons-nous faire aujourd'hui Et sur le plan moral, est-ce qu'il est par exemple mieux de sauver l'économie, donc de préserver l'emploi donc d'éviter la pauvreté ou de défendre coûte que coûte la santé publique et de garantir l'accès à l'hôpital pour l'ensemble des malades Incertitude morale. Est-il mieux d'isoler les personnes âgées, singulièrement dans les maisons de repos, au prix de leur détresse affective, ou de préserver les visites au risque de les pousser dans la mort Incertitude morale. Nous vivons aujourd'hui dans un excès de questions. Et il faut bien que quelqu'un réduise cette complexité. Arbitre nos différends, propose une direction, opère un choix dans la diversité des jugements de valeur. À l'extrême, je dirais que le chef est celui qui, à l'instar des officiers français perdus dans la débâcle de mai 1940, que Julien Grec, ce magnifique auteur, décrit dans ses manuscrits de guerre, le chef est supposé faire semblant de savoir. Il est celui qui recouvre le chaos. D'un semblant de volonté, fut-elle feinte Il est celui qui soulage le désespoir de ne plus pouvoir entendre une parole qu'on peut tenir pour vraie. Et cela non parce qu'il sait ce que les autres ne savent pas, nos dirigeants ne savent pas beaucoup plus que nous, mais simplement pour arracher le collectif à une indécision mortelle. C'est la raison pour laquelle on ne peut qu'être frappé par la distinction fondamentale qu'opèrent nos citoyens nous-mêmes entre l'intérêt relatif qu'ils portent au tumulte des, des discours d'experts, au spectacle des divergences et des polémiques qui sont propres à toute communauté scientifique d'une part, distinction entre cela et la priorité qu'ils accordent aux mesures qu'annonce le gouvernement. Et là, ils sont tous devant la télévision et ils attendent une chose l'espace public de la discussion, autre chose, l'autorité qui vient à un moment trancher dans le réel et statuer. À l'Éireali, on a l'habitude d'opposer autorité et responsabilité. D'ailleurs, on l'a vu dans les euh, dernières conférences de presse. L'autorité elle-même en appelle à la responsabilité euh, des, des citoyens. Et, Certains d'ailleurs estiment que, au lieu de nous imposer toutes ces restrictions, les dirigeants feraient peut-être mieux d'investir dans l'autonomie ou dans les responsabilités des, des citoyens. Vous qui analysez ces, ces rapports entre autorité, légitimité, pouvoir, euh, qu'en pensez-vous Je pense que cette opposition entre autorité et responsabilité personnelle est simpliste. Depuis le mois d'avril, nous connaissions tous l'ampleur du danger, la nécessité de nous protéger, les gestes barrières et ainsi de suite. Il reste qu'à peine ont-ils retrouvé des espaces de liberté, beaucoup d'entre nous ont baissé la garde et pris des risques. La seule autonomie individuelle n'est jamais, comme telle, un fondement du vivre ensemble et donc un fondement du politique. Pour autant, faut-il opter en faveur de l'autorité au détriment de la responsabilité personnelle je le répète, les choses sont plus complexes. La responsabilité ne se réduit pas à un sentiment subjectif et privé. Dans son étymologie même, elle renvoie au fait de répondre de ses actes face à autrui. Être responsable, c'est donc accepter de rendre des comptes c'est s'annoncer aux autres comme l'auteur de ses actions et c'est assumer leur jugement. Le beau verbe assumer ne veut rien dire d'autre. Pour accéder à la responsabilité, je dois commencer par construire un certain récit de moi-même. Un récit par, laquelle, par lequel je me reconnais comme l'auteur de mes actions. Et j'en assume les conséquences sans me chercher constamment des excuses. La responsabilité donc se construit avec les autres, dans le langage, et non dans l'espace retranché de la conscience. Elle suppose de déplacer le regard de nos désirs, de nos passions, vers les conséquences proches et lointaines de nos actions. Elle suppose de se demander, plus fondamentalement, si nous voulons vraiment d'un monde dans lequel tout le monde agirait comme nous le faisons nous-mêmes. Et elle suppose, de, elle suppose de puiser dans le jugement anticipé des autres la force d'agir autrement soi-même. Ainsi, en nous offrant le point de vue du collectif, l'autorité nous aide en réalité à prendre nos responsabilités. À l'instant où je parle, de nouvelles mesures du gouvernement viennent de tomber. Il revient maintenant à chacun d'entre nous de se poser la question de savoir comment il compte les assumer, ces mesures, sachant que la police n'a pas les moyens de contrôler nos moindres faits et gestes. Et certains d'entre nous seront amenés à prendre parfois quelques libertés avec ces mesures. Mais alors, ils transgresseront en âme et conscience au nom d'une valeur qu'ils estiment supérieure. Et cela aussi, c'est la responsabilité. Au nom de l'autonomie, des voix s'élèvent aujourd'hui, c'est typique de notre postmodernité, pour défendre l'idée que la seule conscience de soi est bien suffisante sans qu'il faille y ajouter la pesanteur de l'autorité et des sanctions. Et les plus libertaires d'ailleurs vont jusqu'à clamer ⁇ Abolissez l'autorité et les gens se responsabiliseront tout seuls ⁇ Cette vision incroyablement naïve fait l'économie de la question de savoir comment se construit et se maintient en nous-mêmes la perspective du collectif qui nous permet d'agir en prenant le point de vue d'autrui plutôt qu'en succombant à l'hypnose de nos passions et de nos désirs. Mais certains, au nom des, des principes de liberté, de, de, de pleine disposition de, de soi, euh, continuent malgré tout à, à refuser, à rejeter l'autorité. Assurément, assurément. Et notez bien que dans la foulée, les mêmes ont tendance bien souvent à nier leur propre responsabilité euh, dans, la, dans, dans la crise de la pandémie. Ils récusent dans un seul et même mouvement à la fois l'autorité et leurs responsabilités propres en se posant en victime du pouvoir et souvent en tombant d'ailleurs dans des discours complotistes. À chacun ses valeurs, aime-t-on à répéter sans trop y réfléchir À chacun ses valeurs. Euh, L'expression fleur la tolérance, elle est répétée partout, mais elle est une absurdité. Elle revient à réduire en réalité les valeurs morales à de simples préférences personnelles. Je m'explique. On peut préférer la tarte au citron à la tarte aux prunes, ou la montagne à la mer, simple affaire de goût. Mais on ne peut semblablement préférer l'injustice à la justice, la malhonnêteté à l'honnêteté, ou l'irrespect au respect. Les valeurs dessinent toujours l'horizon d'un monde commun et sont nécessairement habité par les autres, je présuppose toujours que l'acte qui m'indigne, même si je suis le seul à le connaître, susciterait l'indignation d'une communauté potentielle. L'indignation, ce n'est pas quelque chose de personnel, c'est une disposition à prendre à témoin le groupe rassemblé, et donc l'autorité qui incarne le groupe, réaffirmant l'exigence d'un monde dans lequel on ne fait pas ça. Une morale privée serait une contradiction dans les termes. Les valeurs nous lient aux autres et nous ne saurions jamais les choisir à titre personnel. En matière de jugement moral, disait Marcel Conche, je ne suis pas seul juge. La pandémie nous confronte en permanence, je l'ai dit, à des dilemmes moraux, des conflits de valeurs comme nous y confrontent d'ailleurs le réchauffement climatique, la pollution, la réduction de la, bi de la biodiversité et bien d'autres choses. L'incertitude morale est par exemple aujourd'hui écrasante dans les hôpitaux, qui vont, dans les semaines qui viennent, et d'ores et déjà, devoir prendre la décision de faire le tri entre des patients, d'en soigner certains et d'en renvoyer d'autres. Mais cette incertitude morale pèse en réalité sur chacun d'entre nous aujourd'hui sur l'enfant qui rend visite à ses grands-parents au risque de les contaminer, sur les parents qui, à l'instant de déposer leur enfant à l'école, l'entendent tousser, sur ceux qui courent faire des tests et contribuent ce faisant à la submersion du système de testing, et sur ceux qui, à l'opposé, négligent de s'y soumettre. Encore une fois, dans une telle confusion morale, l'autorité vient nous soulager en édictant un ensemble des règles qui, toutes, à l'évidence, présentent des faiblesses, des contradictions, des, in, des, des, des insuffisances. Mais à tout prendre, mieux vaut ça que le chaos. Le problème survient, au contraire, lorsque l'autorité accroît l'incertitude collective au lieu de la réduire. Lorsque, par exemple, elle change en permanence les règles au point de les rendre illisibles. Ou lorsqu'en mars, en Belgique, elle allait jusqu'à nier l'utilité du port du masque. Dans un contexte de crise aiguë, un système de décision fragmenté comme le système belge peut contribuer à accroître la perplexité et l'anxiété. Comme peut y contribuer d'ailleurs la cacophonie des discours d'experts qui, au lieu d'éclairer le débat, amène beaucoup de gens à conclure de toute façon, on ne sait rien. Donc je fais ce que je veux. Merci beaucoup Alain Rally pour ce regard sur une crise, vous qui êtes membre de l'Académie royale de Belgique et plus particulièrement de sa classe technologie et société. Merci.